Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bord. Ouais, quand j'ai vu ça, je n'y ai pas cru. Au nom de Dieu, je n'y ai pas cru. Il fallait que je pousse mes richesses jusqu'au fin fond du couloir. Tiens! 230 000 avant de mort en Côte d'Ivoire par an. Ça, c'est ce qu'on a pu compter. Et ce qu'on n'a pas compté. Ça, c'est toute une équipe de football, hein? Ou des équipes de football. Tiens! Tiens! C'est une nouvelle qui vient de tomber jusqu'à moi, juste aujourd'hui, le 5! Je dis, ouais, ça là. C'est incroyable. On nous dit même plus de 2000, pour 2300, plus de 230 900 votements. Il y a plus que ça. Les gens disent qu'il y a plus que ça même. Il y a plus que ça même. Tchè, 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 tchè. Le mot d'en panne. Ouais. Le mot d'en panne, oh, le mot d'en panne. Le monde est en panne, oh, le monde est en panne. Tchè. Donc ça dit que il y a eu plus de 230 900 meurtres. Et les gens ont réagi face à ça. Mais avant d'écouter les réactions, suivez la news. Écoutons ça. Le taux de prévalence contraceptive moderne en Côte d'Ivoire est à présent à 23% pour l'ensemble des femmes. Les méthodes les plus courantes chez les femmes en union, la pilule, 24%, et 22% pour l'implant, selon les résultats du projet Performance Monitoring for Action, PMA. L'enquête sur le suivi avortement révèle également environ 230 900 avortements effectués par an, et près de deux tiers de ceux-ci étaient à risque. Oh! Et près de deux tiers de ceux-ci étaient à risque. Et près de deux tiers de ceux-ci étaient à risque, bro. Do you believe this? Est-ce que vous croyez à ça? Eh bien, je suis choqué par le résultat des statistiques. Je suis grave choqué. Ça, c'est ma réaction, hein. Mais quelle est la réaction des gens? Est-ce que nous allons lire ici? Nous n'allons pas dire le nom des gens, hein? Mais nous allons dire, juste dire, vous le dire, leurs commentaires. La première personne dit, wow, c'est beaucoup ça! Wow, c'est beaucoup ça! Une autre personne dit, sacré! Y a une autre personne encore qui dit, hein? T'as amusement à les Ivoiriens. B-A-I-S-E, beaucoup Wow! Vous entendez ça? Une autre personne encore dit. 230 900 âmes en moins? Peut-être que se trouvaient parmi eux des savants, des docteurs, des entrepreneurs, il faut revoir notre politique sociale. Vous voyez ça? Seigneur Jésus. Il y a une autre personne qui dit, tout ça, c'est au compte de la monogamie. Monogamie, t'es criminel. Vous avez dit que les gens te disent, déjà pour être pour un jeu ou bien pour la rigolade. Il y a une autre personne qui ne croit pas. Cette personne dit, faux, mensonge, mensonge. Ah, en tout cas, moi, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était la blague. C'est pourquoi ils sont allés en profondeur pour découvrir l'information officielle. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? Écoutez ça encore!
Le taux de prévalence contraceptive moderne en Côte d'Ivoire est à présent à 23% pour l'ensemble des femmes. Les méthodes les plus courantes chez les femmes en union, la pilule, 24%, et 22% pour l'implant, selon les résultats du projet Performance Monitoring for Action, PMA. L'enquête sur le suivi avortement révèle également environ 230 900 avortements effectués par an, et près de deux tiers de ceux-ci étaient à risque. Vous avez donné ça? Voici les informations que j'ai découvertes. Seigneur Jésus, pardonne-nous nos péchés. Vous entendez ça? Il y a une autre personne qui dit, excepté les avortements traditionnels là, hein. Hé, les filles. Pourquoi vous faites ça même? Vous entendez ça? Encore le commentaire qui dit 230 900 Ivoiriens tués en un an. Vous avez commis un crime contre l'humanité. Quel gâchis! Vous avez entendu ça? Jésus. Maintenant, je vois encore. Il dit, voici une personne qui dit, je connais une fille qui a 37 dedans. Qui est? Une fille qui avait 37 avortements. 37 avortements. Maintenant, je vais vous poser une question. Devons-nous utiliser les méthodes contraceptives ou bien... manger la banane sans la peau et puis après aller faire l'avortement. Qu'est-ce que vous dites? Ou bien devons-nous faire des enfants et avoir 20 enfants chez nous? Qu'est-ce que vous dites? En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, dans le foyer, dans le mariage, il n'y a pas que le sexe, hein. Il n'y a pas que le sexe. Si vous vous mariez parce que vous voulez le sexe, hein, c'est que préparez-vous en même temps à avoir beaucoup d'enfants. Ou... ça, je vous le dis. Hein. Si vous êtes marié parce que vous dites que oh, vous allez avoir la chaleur. Hein. Non, préparez-vous à avoir beaucoup de chaleur, beaucoup d'enfants aussi. Hein. Ouais, à mettre beaucoup de sacs de riz. Ou... Voilà à faire là. Et il y a un dernier commentaire qui dit et le non déclaré. La personne dit et le non déclaré. Tu cherches les avortements non déclarés. C'est ce que tu cherches. Bon, peut-être que c'est toi. En tout cas, vraiment, quand vous êtes face à une situation là, vous ne vous jugez pas vous-même. Hein. Vous vous dites que vraiment c'est un problème, il faut que vous. Faites l'avortement parce que vous n'êtes pas prêt à recevoir un enfant maintenant, les conditions ne sont pas réunies. Vous-même, vous évangélisez, vous vous conseillez. Vous voyez ça? Vous vous conseillez vous-même. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais plusieurs fois. Est-ce que j'ai pensé comme ces gens-là? Ça vous dit, oh non, l'avortement, ce n'est pas une bonne affaire. C'est « Oh non, 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 oh non, non. » Non, hein. Heureusement que les filles n'ont pas avorté. Sinon, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est par manque de moyens que les gens demandent avortement ou bien c'est par rapport à quoi? Je vous pose la question. Répondez-moi en commentaire. Honnêtement, moi vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Les avortements, toutes ces choses. Mais admettons aussi, les gens sont toujours en tas pour lancer rien. Les gens ne lancent rien ou ils lancent rien. Le goût de ça. La personne qui a eu le goût de ça, là. Ah, faut aider les gens à garder les enfants aussi, hein. Ce serait bien.
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous donne rendez-vous au prochain vidéo. C'est parti.